partager. Abonne-toi. Coucou les loulous. Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle, encore, j'aimerais dire, nouvelle vidéo sur le Nintendo Labo. Ça va être encore du montage d'un nouveau Toy-Con. Alors aujourd'hui, on va faire la canne à pêche. Alors les amis, si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos, enfin notamment celle où on découvrait tout ce qu'il y avait dans la boîte, etc. sur Alors c'était la maison. Ouais, c'était la maison, le tout premier épisode. Après il y a eu la moto, il y en a eu d'autres. Donc les amis, on vous laisse aller voir sur le petit i en haut à droite. Et d'ailleurs, il y aura une playlist qui sera faite juste pour le Nintendo Labo, parce qu'il y aura beaucoup de vidéos. Et oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et au fur et à mesure qu'on joue avec, Loulou, est-ce qu'on découvre des nouvelles choses? Oui. Par exemple, il y a la moto où tu fais des circuits. Et après, tu as encore le stade pour éclater le plus de ballons. Et en fait, par exemple, tu voyages dans un truc Nintendo Labo et après tu construis un petit pistolet pour pouvoir scanner des trucs et après ils apparaissent dans le stade. C'est trop cool les amis, donc je pense qu'on vous fera une vidéo pour vous présenter en fait les options qui se greffent à chaque Toy-Con en fait. C'est-à-dire que vous avez par exemple pour la moto, comme vous disiez Corentin, vous avez la moto mais après vous avez la possibilité encore de monter un espèce de petit pistolet scanner et de monter aussi une mini moto pour pouvoir créer ses propres circuits. Oui, mais aussi tu peux le faire avec la moto. Oui, tu peux aussi le faire avec la moto et aussi pour créer ses propres stades. Donc les amis, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à la canne à pêche. Alors Loulou, je vois que tu as tout préparé. Alors oui. Qu'est-ce que tu as là? On a déjà 6 planches pour la canne à pêche bleue. On s'est muni du petit sac parce que j'ai un peu regardé sur la boîte et apparemment on en aura peut-être besoin. Et j'ai mis le jeu en route. Ok, bon bah super, t'as tout en route. Oui. Donc les amis, on va mettre un autre angle parce que on va vous montrer un peu tout ça. Donc let's go. Let's go. Les amis, nous sommes en place, donc on s'est muni, ça y est, la console, elle est en route, donc là tu peux cliquer sur suite. Voilà, ça fait tout le montage en accéléré. Waouh, ça va donner ça tu crois? Normalement ça doit donner ça. Ok, bon les amis, on va vous laisser, nous on va filmer ça en accéléré parce que ça risque de durer pas mal de temps quand même. Hein, en principe on a pour 2 heures pour monter un Toy-Con, donc là ça doit être pas loin de là je pense. Donc on va filmer ça en accéléré et en musique, on vous retrouve juste après. A tout de suite. A tout de suite. Je trouve que ça allait vite comparé aux autres. Ouais. Ouais, ça allait super vite. Et on a Océane qui nous a rejoint parce qu'elle est très curieuse de savoir comment ça fonctionne. Donc là, il va falloir insérer les Joy-Con. Vas-y, mon loulou. Alors, on a testé. Normalement, ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne même bien. Alors c'est drôle gauche. C'est lui. Attends.
Alors tu te trouves ou pas? Comme ça, voilà. Eh ben. Ça y est, étape finale. C'est encore une étape de vérification. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours des étapes de vérification, les amis. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre l'écran. Hein? Là, tu peux tenir la canne à pêche aussi, ou tu peux la poser quand même pas. Là, tiens la canne à pêche. Et... Ouf là. Attends, comme ça. Il a un sens, hein, l'écran. Attends, je vais te... L'écran aussi a un sens. N'importe quoi. Tout a un sens. Ah, et là, tu montes. Là, tu descends par la taille. Ok, bon, c'est bon. Ça y est, on va pouvoir commencer à jouer. Alors les amis, on va se mettre, je ne sais pas où, mais on va commencer à jouer. On va se mettre peut-être dans un autre angle que les copains puissent voir, d'accord? Oui. Je tombe là-dessus. Vérification du Toy-Con. C'est bon, tout est mis? Oui, tout est mis, tout est bien. Tout est bien? Allez, bah ça y est, on est dans l'eau. C'est trop bien fait. Attends. Je crois que tu peux mettre du fil en fait. Vas-y. Déroule un peu du fil pour que. Parce que sinon tu vas être trop près de l'écran. Tu vois? Attends. C'est dans. Fais-le dans 3 sens pour voir. Ah, c'est en sens. Ah ouais, c'est bien. Moi j'arrive pas avec le canapé. Il faut se divertir, hein. C'est pas facile. Hein. Ah, alors là, il va falloir pêcher des poissons. Oh, tiens. Oh non, je crois qu'il faut que tu donnes. Non, alors je pense que quand le poisson est mort, faut que tu donnes un petit coup sec comme à la pêche en fait. Vas-y, attends. Attends. C'est de la patience. Ouais, vas-y, monte. Ah, il est dans l'eau là. Dans l'autre sens, Ah non, vite dans l'autre. Vas-y. Non, tu vas au fond de l'eau là. Non, là, je vais en haut. Ah oui, je suis en haut. Oh, pardon. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce que tu as eu? Ouais, trop bien. Là, je fais quoi? Vas-y, lève. Comme si tu le sortais. Oh, il a pris en poteau. Un macro de 42 cm. Trop bien, Loulou. Alors, on essaye de pêcher autre chose? À moi, maman. Attends, Loulou, après ça va être à ton tour, on va essayer de pêcher autre chose. Peut-être si tu vas plus profond, tu vas. Ouh, c'est gros ça. Ouais, les gros poissons. C'est quoi, c'est une dorade ça? Oh, oh, loupé. Oh, c'est un poisson lune ça. De quoi est-ce que j'ai là au zoo? Non, là, ça, ce sont des macros encore. Est-ce que tu l'as eu? Non. Encore un macro. Ouais. Alors, je faisais combien de doigts? 42 cm. Ouais. Ah, si je fais mieux. Ah, si tu fais mieux. Mais après, on va essayer de pêcher autre chose, voir si tu pêches autre chose qu'un macro. Après, ça sera à moi de pêcher. Ouais, après, ça va être à Océane de pêcher. Eh ben, déjà, on est bien dans les profondeurs, là. Ouais, ça y est, oh là. Oh. 46 cm. Il s'est pris l'écran, donc on dit. T'as entendu, ça fait plash. 46 cm, ouais, c'était trop plus bien. Gros. Allez, un petit troisième et après ce sera Océane. Donc on va voir si on a quelque chose d'autre. Donc un macro, peut-être une dorade, un poisson lune, j'ai vu qu'il y avait. Est-ce qu'il y a des requins? Je sais pas. Je est-ce qu'il y a des requins? Peut-être. Oh, il y a une raie là. Qui va arriver. Oh, poisson perroquet, non? Bouge pas. Oh, ouais. Ah, ceux-là doivent être plus durs. Plus ils sont gros, plus ils sont durs, hein. Je pense. Non. Ah, lui, il a. Alors, normalement, on voit pas ce qu'on pêche, hein, les amis. Ouais. C'est un peu le but de la pêche. Bah, là, c'est cool, du coup, on voit les fous. Ok. Non, mais donne un petit coup sec, en fait, quand il a mordu. Comme à la pêche, comme avec papa. Wow. Oh, une rémentale. C'est trop bien fait. Oh, il y en a un gros là. Bouge pas. Oh, presque. Allez, mange le gros. Est-ce que tu vas en avoir un troisième ou pas? Allez, vas-y.
Non, il est parti. Oh. Essaye de descendre un peu plus bas, voir s'il y a un cheval. Ah, je crois que oui. En fait, c'est plus dur à monter. Ah, il y a les dorades là. Oui. Oh, une dorade. Ouais, trop bien, une dorade. Bon, bah, maintenant j'ai du poisson aujourd'hui alors. Allez, on va voir combien de centimètres tu vas attraper. Ouais, elle est pas mince, elle. Ah, j'ai cru qu'elle était partie. Oh non, t'as cassé ta ligne, loulou. Le troisième est un désastre, t'as cassé ton hameçon. Oh. Bon, bah, je crois qu'on va laisser jouer Océane, non? Allez, à Océane. C'est parti avec Océane, donc elle a lancé sa ligne. Alors, quand tu as attrapé un poisson, Océane, tu jettes un petit coup vers le haut et après tu remontes. Alors, attention, ouais, ça va être du macro. Non. Pas comme ça. Un tout petit coup. Oui, oui. Là, maintenant, mouline. Non, là, tu descends dans l'autre sens. Allez, mouline. Vite. Et sinon, ça va faire comme moi, comme le troisième. En courant de temps, c'était combien? 41 et 43 cm. Hein. Non, 42 cm. Ah, 42. D'ailleurs, c'est encore affiché. Oui. Petit. Oh, 47 cm, Océane. Elle t'a battu. Waouh, nouveau record, 2,7 kg. Trop bien. Bon, on y va pour un deuxième loulou. Alors, pour le moment, c'est Océane qui détient le record. Alors ça peut faire des challenges. Lève la canne. C'est rigolo. Levez la canne pour recommencer. Allez. Voilà, c'est parti. Ouais. Je crois que papa il va adorer ce jeu en fait. Ouais, parce que c'est vraiment un simulateur de pêche. Je crois qu'on va faire des challenges pour celui qui va faire la vaisselle, ou qui va faire à manger, ou qui va faire son lit. Par ou exemple. Qui va pêcher. Le meilleur pêcheur pêche. Bon, Océane a appris la canne à pêche en verre parce qu'elle est gauchère. Je pense qu'on peut inverser le moulinet droite-gauche, il me semble. Hein. Le gros là. Oh non, c'est mort, oh, tu l'es. Non, oh, oh, le tout gros. Non, mais oh, le tout gros. Et là, non. Boum. 78 cm. Le macro. Mais c'est un super record, Rosane, mais tu t'imagines? Elle en revient pas, Sam. Bravo. Bravo, Océane, Loulou. Tu pêches mieux que moi. Allez, un petit troisième. Peut-être tu vas nous avoir une dorade ou quelque chose comme ça. Ah, j'en reviens. Pour moi, là, le gros poisson, on a le seul, là, les poissons perroquets, là, qui me... Alors, les amis, on continue un petit peu. Et là, Océane est en train de descendre dans les profondeurs, dans les abysses. Et je crois qu'il y a des gros poissons. On a vu notamment un espadon. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a. Oui. Oulala, bouge plus. Oh, regarde comme ils sont gros. Les espadons et tout. Allez. Oh, lui, fallait pas que tu bouge pas, bouge pas. Océane, la pro de la pêche, je crois. Ouais. Mais non, faut pas le mettre vers le bas. Non, mais non. Non, faut tirer. Faut tirer un petit coup. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les abysses? Il y a un requin au fond. Attention. Allez, oui. Remonte. Oui, il y en a un gros. Oui. Alors là, ça va être dur de monter jusqu'à la surface. Hein. Oui, parce que là, elle a été le plus profond des océans. Alors là, elle a été super profond. Et je pense qu'on peut aller encore plus profond. Non, elle est allée le plus profond possible. Ah oui? Oui, on a essayé. Oh, on a cassé la ligne. Oh, mais c'était bien essayé, ma gougloute. Ah, elle est replongée. Océane nous a quitté, elle voulait juste faire un petit test, mais elle a adoré, je crois. Océane, t'as adoré, elle est derrière. Oui. C'était trop bien, bravo, c'est Océane qui a gagné. Là, j'ai pêché un maquereau de 47 cm. Trop bien. Alors, je crois qu'il va falloir que tu t'entraînes, je pense que papa va adorer, moi aussi. Que papa va savoir plus de techniques. Ce super jeu, bah, il a l'air trop bien, puis c'est pas si facile que ça, en fait. Hein. Parce que les macros, c'est facile de les pêcher, mais les plus gros, c'est un peu plus dur. On a eu un poisson avec une lumière, et il était dur. Oui, parce qu'il y avait un requin.
qui voulait le manger. C'est ça, on a essayé hors caméra en fait de pêcher celui qui a la lumière. Je sais plus comment ça s'appelle, bah, dites-nous dans les commentaires si vous savez. Et le requin est à sa poursuite et puis bon après bah, la ligne elle a cassé. Donc voilà, on est revenu pour Odoui. Alors Loulou, est-ce qu'il est vraiment bien ce jeu? Il est vraiment trop bien. Alors moi je trouve que, je crois que ça va être un de mes préférés. Parce que c'est vachement... vachement prenant en fait comme jeu et je trouve qu'en famille c'est super, on peut faire plein de petits challenges avec. Donc les amis, je sais pas, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. Corentin, je pense qu'il va encore jouer un peu avec sa soeur et puis moi aussi, tiens, pourquoi pas. Alors les amis, on va vous laisser. Si vous avez aimé aussi, si vous avez déjà essayé ce jeu, bah dites-nous-le dans les commentaires. Et si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et on va attendre dans la prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous et on vous dit ciao, ciao. Ciao, ciao les amis. Bisous, bisous.